Maliko, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la large victoire à l'extérieur de Manchester City chez West Bromwich, 5 buts à 0, avec notamment un but de Riyad Mahrez, donc le même type de but qu'il marque très souvent, qu'il affectionne particulièrement, et une passe décisive pour Sterling. Et Sterling qui avait donné la balle de but à Riyad Mahrez. Enfin, j'ai carrément éjecté mon fil. Bref. Donc dans l'ensemble, bon, après, beaucoup de gens diront en face, il y avait un adversaire qui était pas du tout au niveau, certes, mais ça reste quand même une prestation de haute volée, notamment avec Cancelo et Gundogan. Hein. C'est, franchement, aujourd'hui, c'est impressionnant hein, ce qu'ils ont proposé. Quand vous voyez que Cancelo, il a carrément eu un 9,3 et un 8,9 pour Gundogan, donc qui a marqué un doublé. Riyad Mahrez, il a eu un 8,6, donc un but et une passe décisive. Donc c'est une très bonne note. Donc Riyad Mahrez a joué tout le match. Il était titulaire, il a joué tout le match. Au moins, ça va lui remonter le moral de marquer un but, d'être passeur décisif. Voilà, clairement, on va voir si il va enchaîner les titularisations, parce qu'on connaît très bien la personne qui le coach. Je dirai pas son nom parce que j'ai dit que je parlerai plus de cette personne, mais on verra bien. On verra bien de toute façon. Surtout que De Bruyne ne jouera pas avant début mars et que City va enchaîner de grosses prestations au mois de février, notamment avec Liverpool dans 2 semaines. Juste après Tottenham, et ensuite début mars, il y aura aussi United, et entre-temps, bien sûr, le match de Champions League face à Gladbach et notre ami Rami Ben Sebaini. Donc, en tout cas, très belle prestation de Riyad Mahrez. Voilà, même s'il n'a pas joué à son poste, je le répète, il a joué en 9 et après en 10. Alors, on ne comprend rien du tout. Bon, quand il a marqué, il était de son côté à lui, côté droit. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas un souci. En tout cas, voilà. Donc force à toi, Riyad Mahrez. Vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé de sa prestation. Un like pour me faire plaisir. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, c'est gratuit. Et puis, comme ça, vous aurez toujours les informations. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour le live, tout simplement. Voilà. 23h20. Là, je pense que ça va le faire à 23h20. Là, il est 23h12. Donc, je vais essayer d'être à l'heure. Si je ne suis pas à l'heure, vous me connaissez, hein, c'est toujours pareil. Hein. Ponctualité algérienne. Voilà. Pense à toi, Riyad Mahrez, et puis vive l'Algérie comme toujours. Salam alaikum.